le level 2. Porter niveau 3, je pense aussi. Ah, vocation rendue rang 2, donc j'ai des skills de plus que je peux pogner à cette heure. Bon, là, on parlait à ce stone-là. C'est là qu'on va aller recruter les deux autres qu'on veut. Parce qu'on va avoir un parterre de 4. Vous voyez, le personnage commence à apparaître. Il y aura d'autres personnages qui vont apparaître. Donc, champ information. Donc, vous voyez les noms qui apparaissent. Donc, le nom au-dessus, c'est le nom du personnage. Le nom en dessous, c'est le nom du joueur qui l'a créé. Donc, c'est possible de prendre des personnages que d'autres joueurs ont créés. C'est pas le personnage principal, mais d'autres pawns. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais dire à lui de sacrer son camp. Speak. Is everything in order, master? Yes. May our paths cross again. Bon. On va se recruter un mage et un guerrier de plus. Ou un strider de plus. Bon. Si on n'aime pas, je pense qu'on peut parler à Stone pour avoir des critères. Search. Ouais, notre pawn peut apprendre, disons, les pawns des autres joueurs. Donc, pawn by level. Level 5. Donc, les pawns, ceux-là qui n'ont pas de couleur, sont... Ok, ceux-là sont en ligne, donc il y a quelqu'un qui est en train de jouer présentement avec ce personnage-là. Ceux-là qui sont en gris sont pas en ligne, mais sont disponibles pareil. Puis ceux-là qui sont en bleu, normalement, c'est parce que ils sont déjà sélectionnés par d'autres joueurs, mais on peut les recruter pareil. Donc c'est parfait. Fait que... Juste ça. Ce que je veux, c'est de pogner... Un mage. Summoner celle-là. On va summoner un guerrier. Et un autre strider. Un autre mage. Chain. Puis. Un autre guerrier, ok. Normalement. Il y en a qui vont sacrer leur camp parce qu'il y a une certaine limite de nombre de personnages qui peuvent avoir l'écran en même temps. On va attendre que les autres soient summonés. Celui qui flash en jaune, c'est celui qu'on a décidé de summoner. Donc on peut aller voir. Détail. Niveau 5. On va voir ses skills. Quand même bien équipé. Document. Équipé avec un Iron John Round Shield. Full knowledge. Donc il y a quand même beaucoup de détails, hein. C'est vraiment plaisant pour ça. Là. Yes, Arisen. Wow, les autres. Toi, t'es un mage. Yes, Arisen. Détail, qu'est-ce que t'as comme skill? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les skills, savoir quels spells qu'ils savent. Yes, Arisen. Pas grand-chose. Ouais, si on prend des pawns qui sont plus haut niveau, ça coûte une certaine quantité de RC. Si notre pawn est utilisé par un autre joueur, si notre pawn est utilisé par d'autres joueurs, on reçoit des RC quand ils ont fini de jouer avec. Comment. Donc, Ezio et Sut. Yes, Arisen. Cause des skills, là. Scarlet Kiss, Threefold Arrow. Yes, Arisen. C'est un guerrier. Musashi. On va en sommer les deux, toi. Top rank. Okay, on va y aller avec ça. Il y a une coupe que ça coûterait vraiment cher, les summoner. Erin, mage niveau 9. Les Nix sont level 73, là. Ça coûte comme un demi-million de RC pour pouvoir les summoner. Mais ça, le prix
le prix des pawns va varier selon comment je peux dire ça? Va varier selon la différence entre mon niveau et le niveau du spawn. Donc, en prendre des plus bas niveaux que moi, ça va coûter 0, j'imagine. Mais les prendre plus haut niveau, ça va coûter une quantité de RC définie, dépendamment entre la différence entre mon niveau et le niveau du spawn. Donc, ok, je vais aller chercher une coupe d'autres olives. Faut plus de casters. Bon, il y en a un là-dedans qui s'appelle Jane. Yes, Arisen. Non, on va dire sac ton camp. Bon. Yes, Arisen. Côté skill, une couple de skill intéressant. Il y a pas mal tout la même affaire. Bon, regarde, voilà, on va prendre celle-là. I am on. Puis on va prendre un guerrier. Alors, on va prendre un guerrier. History, ouais. Yes, Arisen. Details, tu n'as jamais pris d'autres skills. Yes, Arisen. Ok, ça c'est l'autre. Attends, au moins avoir un autre gars avec moi. Autre guerrier. Yes, Arisen. Ah, pourquoi pas, ok. Yes, Arisen. Une liste. I am honored to travel with you. C'est bien ça. Okay. OK. On peut sacrer notre cœur. Donc les deux supplémentaires qu'on peut prendre, c'est des personnages qu'on peut carrément décider d'avoir en plus de notre permanent. Et je dois dire, c'est ça, vous avez le choix carrément de les switcher quand vous voulez. Donc c'est possible entièrement de rentrer dans un autre Covenant avec un autre personnage, ben d'autres pawns. Bon, ok. Eh bien, oh, si tu veux, toi. Ah, a master in his pawn, is it? You'll be quite the force come the day you learn to fight as one. Ah oui? Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal combat. I can help in that regard, should you wish it. Ah, pourquoi pas. Training. The men of the enlistment corps never turn away the eager. We are ready to begin. Are you? Let me be clear from the outset. I'm a harsh master, whoever the pupil. Uh-huh. You'll complete three forms of training in sequence. Each serves to hone a different quality. You'll need more than raw muscle here. If you find a task too difficult to manage, you might reconsider your party. Non, mais je pense que j'ai une bonne distribution pareil. Deux guerriers, un strider puis un mage. There are other pawns here. You can choose among them if you care to. The first task is carrying freight. Haul the lot of them. If you're free to choose your company. Many have will begin as soon as your task is to. Ça, il y a des pawns qui vont être dans le monde, puis les pawns dans le monde, des fois, peuvent être, ben, il y en a qui vont être des NPC carrément, mais il y en a d'autres, ça va être carrément des personnages créés par d'autres joueurs. Donc, on peut les switcher pareil. C'est quand même intéressant. Bon. Là-dessus 4. Ok, il faudrait porter ça là. Bon, on va prendre chacun un objectif, on va aller chercher. Ça qui est intéressant, c'est que les personnages, les NPC qu'on a avec nous autres sont quand même assez intelligents pour faire des actions par eux autres. Ils sont assez intelligents pour chercher le stock et aller le porter. Et voilà. Enough! Well done. Meet each challenge with that vigor, and you'll make for a fine warrior afore long. Next is combat training. You'll face my scarecrow army here.
Destroy them before my count ends. A large group will be. Ah oui, donc c'est péter des scarecrows, c'est bon. The scarecrow's weak to blow. I'll fell it with a spell. Force alone will topple. Je pense qu'il y en a un 7, il n'y en a pas un 7. Je pense pas mal tout. Et voilà. Enough! Well done. Meet each challenge. Right then. Finally. There are two sorts of scarecrow, each with its own weakness. Aha, one falls only to steel and brute force, the other only to magic. If you're not mindful of how you attack them, you'll fail. Strike fast and strike hard. Vary your party and your tactics until you find success. Use your head. We'll begin as soon as possible. Bon. La même chose, sauf que cette fois-là, il y en a qui sont faibles au combat, puis il y en a d'autres qui sont faibles à magie. Yes. Enough. That's the fastest I've ever seen it done, and on a task fit to challenge even a seasoned warrior. Well done. You've completed your training. C'est bien ça. See now the difference well-selected partners can make. Yes, no doubt, no doubt. You'll learn the rest from actual combat. If you have trouble, examine your party. I've learned what to do in this quest. Et voilà. Donc vous voyez. Gained quest knowledge. Oh. We'd best keep our party full. No harm in being prepared. We'd best keep our party full. On est déjà full. On est déjà full. Pourquoi t'as un point d'interrogation? Used to instruct the men of the corps in combat. Et voilà. Donc en ayant un partout complet, vous voyez que c'est un petit peu plus une bonne dynamique. Donc, côté, disons, survie, comme dans Skyrim, on a tout le temps, on peut tout le temps avoir un allié avec nous autres. Mais si on pense à ça, c'est comme Skyrim, mais avec un partout au complet. Donc, c'est côté, disons, genre comme Breath of Fire, justement, ça me fait penser un peu à ça, parce que on a une équipe au complet pour faire nos actions, donc. Une quest, mais je veux pas faire ça, je vais aller me reposer avant. Oh. Tu fais là, lui. Oh oh oh. Je vais me reposer pour récupérer les HP que j'ai pu. Puis en même temps, on va voir si je peux pas donner mes skills, des skills à mon pawn. Parce que mon pawn, je peux y attribuer ses skills aussi. Donc j'ai le choix. Je peux comment builder deux personnages au complet. Donc, Skywatch Slash, Shield Strike, Springboard, ouais, pour pouvoir envoyer un ennemi dans les airs, ça c'est pratique. Ah. Vigilance, augmente les points de vie, donc les augmente ici. Donc, Half Stamina, and Lift of Grapple All Opponents, c'est bien. Symbol Attack, ouais non, pourquoi pas. Bon, Elastar, Biting Wind. Triad Short. Cloudburst Valley. Ouais, on va y faire apprendre Triad Shot. Exchange of Skills. Ouais. Symbol Attack. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, ils n'ont pas de bouton d'attribuer, c'est juste les. Activer puis c'est fait parce que justement ils ont déjà ben, ils sont contrôlés par intelligence artificielle donc ouais, on a choisi aussi de tout en rester jusqu'au matin ou jusqu'au soir donc on va rester jusqu'au matin
à chaque fois qu'on reste à notre inn, ça sauvegarde la partie, puis c'est ça. You will follow us return for a sting another arisen in another realm. Donc, si notre pawn a été summoné, il peut revenir avec des objets. Donc, justement. Oh boy, il y a 5 personnes qui l'ont pris. Ça m'a donné 7488. On va les commentaires. Hein. Rating 333. Ah, c'est bien ça. It has been a pleasure. Alors, tu vois, c'est vraiment cool ça. Et voilà, continue. Experience an item, depend gain while away, yes. Donc ça, c'est les objets qu'elle ramène. Elle ramène des blank scrolls, des small nuts, des mushrooms, puis des rotten scrag of beast. Elle a appris une coupe d'affaires de plus, donc full knowledge, elle connaît mieux les ennemis, parce que nos NPC peuvent nous instruire comment battre les ennemis, donc c'est une très bonne chose ça. Area knowledge. Booster le rating général des personnages, donc 4, 3, 4 étoiles, c'est bien.